j'ai l'impression que dans l'image de pas mal de personnes, en fait, quand on lit des paroles, on a cette sensation que c'est un peu spontané. Mais en fait, pour que cela paraisse spontané, ça nécessite beaucoup de ratures. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Il faut pas. Je dis ça dans mon bouquin, L'art d'écrire une chanson. Au XVIIe siècle, ils avaient une expression qui me plaisait beaucoup. Quand un poème avait l'air un peu bon, fastidieux, qui était un peu pénible, qu'on sentait que la personne avait ramé pour l'écrire, on disait, oh là là, ça sent la lampe. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, donc la nuit, on travaillait avec des lampes à huile qui avaient une certaine odeur, bon, qui dégageaient une certaine odeur. Et donc, un poème un peu maladroit, bon, un peu pénible, un peu difficile, on disait, ce sent la lampe. Ben, c'est ça, il faut qu'une chanson ne sente pas la lampe, il faut qu'elle paraisse être vraiment très simple. Mais pour arriver à cette simplicité, il faut certainement, et la plupart du temps, des heures et des heures, des jours et des jours. Comme tu le sais, Aude Brassens m'a fait un très beau cadeau, il m'a offert des brouillons de certaines de ses chansons. Et sur certaines des chansons dont il m'a offert les brouillons, il y a des dizaines de pages de brouillons, quoi. Bon, c'est un travail vraiment très méticuleux. C'est aussi le respect du public, ça. C'est le respect d'abord, évidemment, de son interprète, mais là, ce qui concerne Brassens, il était aussi son propre interprète, mais c'est le respect du public, c'est le respect des gens. Quelquefois, je vois à travers les lignes des brouillons qu'il m'a offerts, bon, il va passer 2 ou 3 pages sur un seul mot, sur un adjectif. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Balade des gens qui sont nés quelque part. Bon, il la commence au début en disant. C'est vrai qu'ils sont charmants, tous ces petits villages. Alors, ils passent par des tas de formules plus ou moins heureuses, plus ou moins alambiquées, plus ou moins simples. Et puis, finalement, ce charmant, il va se transformer en plaisant. C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages. C'est une toute petite nuance, mais c'est vrai que plaisant est plus chouette que charmant et qu'en plus, il y a une allitération. Oui. Plaisant, tous ces petits villages. Voilà. Mais tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail pour arriver à quelque chose qui, effectivement, en définitive, doit paraître simple et doit se chanter simplement.